passer à la prière d'ouverture et très humblement, je vais bien souhaiter que notre papa nous conduise dans ce moment de prière pour une courte prière d'ouverture. Alléluia. Nous prions. C'est quoi avant la fondation du monde qui avait arrêté cette célébration? Et entendons ce soir, nous venons te remettre toutes choses. Te prier au Dieu que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin. Et que toi seul tu règnes en ce lieu. Amen. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je crois que nous aurons un bon moment d'adoration. Ensuite, nous entrons directement dans le message. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur règne dans la louange et l'adoration. Et le temps est arrivé pour que toi et moi, nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies et pour ce qu'il fait, il est en train de faire encore en ces soirées. Entre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme l'Éternel, nul est saint comme l'Éternel, nul est saint.
dis merci. Je le dis gloire. Je le dis magnificence en lui. De le rendre les multiples actions de grâce. Parce qu'il est l'unique à son genre. Nul n'est semblable à l'Éternel. Nul n'est semblable à celui qui t'a créé. Nul n'est semblable à celui qui t'a béni. Nul n'est semblable qui t'a amené encore à cette soirée. Tu vas lui dire merci. Tu vas le glorifier à cette soirée. Tu vas le valoriser. Parce qu'il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à parler à l'Éternel du Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à parler à ce que tu veux au nom de l'Éternel? Alléluia. Amen. Dans cette même mouvance, la Bible dit dans le livre de Somme 107 au verset 20 qu'il envoya sa parole. Et il est guéri et il est fait échapper de la fosse. Alléluia. Le but n'est pas seulement de venir acclamer, de venir danser, mais il y a une parole que tu peux écouter ce soir qui va transformer ta vie. Alléluia. Amen. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui transforme. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher en ce lieu ce soir, mais je sais une chose, c'est que Dieu déplace ses serviteurs pour les envoyer faire une mission quelque part. Et lorsque la parole de l'Éternel est relâchée, cette parole ne retourne jamais en vain sans accomplir le but pour lequel elle a été relâchée. Amen. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur a préparé un vase pour relâcher sa parole fidèlement et puissamment. Amen. Et je sais que tu ne sortiras pas les yeux de Dieu que tu es venu. Alors, par privilège divin, par vos acclamations, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour accueillir l'homme que Dieu, celui-là que le Seigneur a préparé ce soir, pour apporter sa parole? Il offre d'abord des sacrifices pour lui-même, parce que lui-même est sujet à des faiblesses. Même comme Dieu nous appelle à la perfection, il sait qu'il choisit les hommes. Alléluia. Amen. On se comprend un peu, non? Donc quand il va vous arriver de faire des erreurs, que ça ne soit pas la fin de 2017 pour vous. Alléluia. Amen. Parce que plus l'enfant tombe, plus il apprend. Amen. Alléluia. Amen. Si vous arrivez de tomber, levez-vous le même jour. Continuez la course avec le Seigneur. Amen. Mais je connais les Camerounais. Hello. Ah. Quand quelqu'un tombe chez nous, les Camerounais, nous qui l'avons vu tomber, on rit d'abord bien. Yes. Hello. Ah. Certains même se moquent d'abord de lui. Mais si tu vas regarder les moqueries, les rires de ceux qui se moquent de toi, tu ne pourras plus avancer. Amen. Regardez au Seigneur. Relève-toi, essuie la poussière. Hein? Si tu t'es blessé, va guérir la blessure. Continue-la. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, il nous dit, nul, une personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins qu'il ne soit appelé de Dieu. Donc ici, personne n'usurpe pas le titre-ci. C'est Dieu qui donne ça. Si tu usurpes ce titre-ci, Dieu va t'exposer. Amen. Personne ne s'attribue cet honneur de devenir sacrificateur. Il faut que ça soit l'appel de Dieu. Amen. Je suis convaincu que vous êtes appelé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On se connaît, non? Amen. Hein? Amen. On se connaît quand vous étiez encore rien. C'est ça, non? Aujourd'hui, vous êtes des grands. Hein? Mais on se connaît, on ne sait pas où Dieu vous a voulu. Amen. Et on est convaincu de cette affaire. Amen. Et l'appel de Dieu est la plus haute nomination qu'un homme peut recevoir sur terre. Il vaut mieux que Dieu t'appelle quand tu nommes ministre de cette nation. Parce que l'appel de Dieu est élevé au-dessus de ça. Parce que l'appel de Dieu influence les ministres. Il influence les hommes d'État. Amen. Certains viennent pour avoir besoin de prière. Alléluia. Amen. C'était enfin dans ce passage qui nous dit que c'est un pays privilège. C'est un honneur. Alléluia. Il dit, personne ne s'attribue l'honneur. Dans notre version, on dit le privilège.
Donc il ne faut jamais prendre la paix de Dieu pour acquis dans vos vies. Continuez à servir Dieu comme de telle façon que cette affaire, vous le considérez comme étant un pays direct. Parce qu'il y a des hommes là-dehors plus éduqués que vous, mais Dieu ne les a pas choisis. Il y a des hommes là-dehors plus compétents que nous, mais Dieu ne les a pas choisis. Mais Dieu a choisi les choses vives, les fous, les folles, pour confondre les âges. Donc c'est un privilège, c'est une affaire de grâce. C'est la grâce de Dieu. Pendant toute votre vie, vous devez voir le service de Dieu comme étant un privilège. Alléluia. Amen. Quelle que soit la gloire que vous allez avoir dans le ministère, les succès que vous allez avoir dans le ministère, considérez toujours que c'est un privilège de servir Dieu. Mais retournez toujours la gloire à Jésus. Ne prenez jamais la gloire du Seigneur, ne mettez-la à Jésus. Chaque fois que les hommes vont vous applaudir, vont acclamer pour vous, dites toujours que c'est la grâce que le Seigneur nous a. Alléluia. Enfin, pour conclure, je m'excuse toutes les personnes concluent même cette fois. Donc, supportons. Alléluia. Donc, on dit conclusion numéro 1, conclusion numéro 2, conclusion numéro 3. On va même aller jusqu'à 20. Donc, pour conclure. Il dit ici que bien qu'il fût fils de Dieu, là il s'agit de Jésus, c'était le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le ministère, c'est la souffrance. Dans le ministère, nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons les douleurs. Donc Dieu ne va pas nous faire passer par les raccourcis. Amen. On se comprend ou non? Amen. Si tu es véritablement appelé de Dieu, Dieu va te faire passer au travers de ses souffrances, il dit. Si Dieu, Dieu a fait ça avec Jésus, il va le faire avec toi. Parce que Dieu est le même. Il ne change rien. Maintenant, ces souffrances que nous allons traverser, on appelle ça l'école de Dieu. Amen. Amen. Il y a l'école séculaire, c'est-à-dire les écoles là où on envoie nos enfants. Là-bas, on enseigne dans les salles de classe et on donne les leçons. Et c'est chaque maître qui vient donner sa valeur. Là-bas, tu quittes la première classe pour aller à la seconde classe. On ne t'enseigne plus les choses de la seconde classe. Il y a l'école auprès d'un homme de Dieu. Ça veut dire que ton père spirituel te montre comment servir le Seigneur. Tu ne savais pas le faire. Mais un homme de Dieu te prend la main et te conduit dans le service du Seigneur. C'est une école. Amen. Il y a l'école biblique. Ça veut dire que tu quittes, tu pars t'inscrire dans un institut de théologie pour te former en tant que ministre de l'Évangile. Yes. Mais au-delà de toutes ces écoles, il y a la grande école qu'on appelle l'école de Dieu. Amen. L'école de Dieu, c'est l'école de la vie. Dieu t'enseigne au travers des souffrances. Dieu t'enseigne au travers des épreuves. Pour te rendre mûr, pour te rendre mature. Alléluia. Amen. Voilà le conseil de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Voilà l'honneur de privilégier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Et lui dit une fois de plus, le Seigneur Jésus qui aime. Seigneur Jésus qui aime. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est pas être dans le deuil. Ne vous trompez pas de Dieu. Le Dieu que nous servons est vivant. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle dise la vie en abondance. C'est un moment où deux personnes, je dis bien deux personnes, chaque fois que vous les verrez, s'ils ne sont pas en train de servir Jésus, appelez-moi. Je viens leur dire de retirer le jour qui est dans leur calendrier. Mais à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils veulent faire dans la vie,
ils sont condamnés à servir Jésus. Dis-moi, amen. Il y a quelqu'un condamné à servir Jésus. Condamné à servir Jésus. Vous savez, moi ça fait 30 ans, hein. 30 ans que je sers Jésus. 30. Et je vous dis, c'est juste comme si j'ai connu Jésus aujourd'hui. Parce que c'est magnifique de servir l'Éternel. Et la plus grande révélation que j'ai eue au bout de 30 ans, c'est l'amour de Jésus pour moi. La meilleure des révélations, Jésus même. Donc, nous allons entrer dans la phase, c'est pas que l'autre phase était moins importante. C'était quand on mange, il y a des nourritures là, je ne sais pas, mais il y a l'autre, elle s'occupe du ministère de l'Intérieur. Donc, je vous ai introduit ici notre premier candidat qui va se présenter, qui va faire un briefing de son CV, afin que nous puissions ensemble connaître qui nous sommes en train d'ordonner ce soir, qui nous sommes en train de consacrer ce soir. Il sort d'où? Il est le fils de qui? Il a vécu comment pour arriver là où nous sommes aujourd'hui? Donc, sous vos acclamations, introduisons le frère Ilama. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, on est rassemble. C'est pour la gloire de Dieu. Nous quittons, nous marchons. Rassemble, toi et moi. On est rassemble. C'est pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. On est rassemble. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai un meilleur père qui est le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, celui qui m'a accouché est M. Saïdé Jean Bosco et celle qui m'a mis au monde, Gorbissou Jeanne. Amen. Donc, je suis né de nouveau depuis 2005. Alléluia. Ce n'est pas 5 mois, ce n'est pas 5 jours. Amen. Je suis allé dans les eaux du baptême également. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas un célibataire,
Je suis marié par cette tendre belle destinée qui est notre réponse. Nous avons quatre également enfants que le Seigneur nous a bénis et nous a bénis. Alléluia. Et dans cette marche également, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là, qui nous ont encadrés. Je ne suis pas allé au Niger et à prendre le mouchoir blanc pour prêcher l'évangile. Et je n'ai jamais prêché dans mon église, partout où je peux prêcher Jésus. Mais je prêche Jésus, afin que Christ soit formé dans la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, voici en quelque sorte, à l'école biblique, les centres de formation biblique DNM. Mes pères qui nous ont vraiment accablés, celui que vous avez tout dernièrement, il m'a soutenu lorsque j'étais en train de faire ma soutenance de thèse à l'école supérieure du ministère. Alléluia. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment et ce qu'il est en train de faire. J'ai fait tout un programme, mais je n'ai pas fait le programme de servir le Seigneur. Amen. Amen. Donc, pour ce moment, que le Seigneur qui vous a ramené ici, vous êtes la preuve qui m'a appelé, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Même si je ne chante pas, je danse. Ils disent que je suis folle. Je danse, je m'oublie. Je sors de quelque part. Le père là, c'est mon père. Et j'ai rencontré le Seigneur, j'ai cru en 2003. Mais j'ai grandi dans la maison d'un serviteur de Dieu, un pasteur qui était mon oncle. Et je ne comprenais pas d'où Dieu m'amenait. Et chaque fois j'appelais ma mère, je dis, on souffre, tu vois un enfant de Dieu. Je, le pasteur, même les bébés jeunes. Donc, amène-moi droit. C'est comme ça que j'ai pris l'appel. Alléluia. Amen. J'ai pris l'appel là, étant très petit. Mais je suis arrivée à Douala. Je cherchais la vie comme tout le monde peut venir à Douala. Et un matin, quelqu'un vient de lui faire tout ma porte. Et il me dit, je te parle de Jésus. J'ai regardé la personne et dit, comme il est pour, c'est sûr qu'il a peur. Et j'ai minimisé la personne. Et le père me dit, tu vas servir Dieu. Je dis, le père, j'ai pris sa mission de bien, voilà, tu me suis avec. Si tu as faim, je te donne à manger. Et tout le temps qu'il était derrière moi, il me pressait. Et il m'invite un jour dans une église. Et quand j'arrive dans cette église, on dit, le serviteur de Dieu, il ne prêche pas, mais il va célébrer. Alors j'ai commencé à critiquer. J'ai dit, souvent, c'est les saints qui cherchent comment il va manger l'argent des gens. Ce jour, j'étais souffrante. C'est mon histoire. Pourquoi est-ce que j'ai cru? J'étais souffrante. J'avais quelque chose à moi qui se passait depuis un mois ou deux mois comme ça. Je saignais. Et sans arrêt. Et ce jour, parce qu'il me mettait la pression, je suis sortie comme ça, actuelle dans cette église. Pendant que les gens dansaient, j'ai dit, mais vous croyez que moi, je danse par là-bas en bas de nous. Je vais vous montrer. Et je me suis mise à danser. Et pendant que je dansais, je me suis rendu compte que tout le monde était ensemble, les gens me regardaient. C'est là où l'esprit, c'est dans ma tête, j'ai dit, souvent, moi, me regarde parce que je sais. Je me suis salie. Je suis allée tout doucement à côté d'une femme qui était portefeuille de la mère. Les toilettes auraient m'emmené. Quand j'entre aux toilettes, je me rends compte aux toilettes que je n'ai pas de garniture ni de caleçon. Et je reviens vers elle, je dis, la mère, tu peux m'aider. Elle me dit, ma fille, je peux te donner la garniture, mais là-bas, là, comme ça, le caleçon, là. Elle me dit, tu t'es salie. J'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit, entre, je rentre aux toilettes. Quand je reviens, j'étais sec. Je lui dis, je suis sec. Elle me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, depuis deux mois, je sais ça, mais je ne comprends pas. Elle me dit, tu as levé la grossesse. Elle dit, non, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça s'est arrêté. Elle dit, va témoigner. Elle dit, hein? Donc, tu me vois aller dans une église, dire aux gens que je ne me suis pas gagnée ou je. Ça se passe comment? Paye-moi. Elle me dit, non, on ne paye pas ici. Va témoigner, sinon ça reprend. Et ce jour, j'ai compris que Dieu m'a visité au travers de la danse.
prendre nos miracles, je veux seulement servir. Mais je ne veux pas être comme toi là-bas, avec la chaleur de toi là comme ça. C'est la corde. Mais aujourd'hui, je suis dedans bien. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lever le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va parler très fort pour nous quand vous avez déjà commencé à prendre du poids. Mais quand vous le voyez là, il voit qu'il a perdu quelques kilos. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est levé pour l'éprouver. Et je vais bénir le Seigneur pour toute personne que Dieu a utilisée pour l'éprouver. Que ce soit les frères en Christ, que ce soit les saints en Christ, que ce soit les membres de la famille, toutes personnes que Dieu a utilisées comme une chicotte pour vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous voyez, parfois commence un discours, même si les hommes vont rejeter, même si les gens. Non, personne ne t'a rejeté. C'est Dieu qui t'éprouvait. Parce que tout ce qui vient de Dieu doit passer par le feu. Si ça ne passe pas par le feu, ça ne vient pas de Dieu. Je peux imaginer combien de fois tu t'es couché et ta chair te disait abandonne l'affaire là. Yes. Il n'y a même pas la chance sur ça. Abandonne. Yeah. Mais le Seigneur te dit que, essaie seulement d'abandonner. Tu, I will deal with you. Ils m'ont également parlé des familles chrétiennes au niveau de Yaoundé. Est-ce que les saints de Yaoundé sont dans la salle? Est-ce que vous avez compris? Waouh! Ça veut dire que partout où ils sont passés, ils ont apporté le parfum de Jésus. Est-ce qu'on t'a gardé très bien pour nous? On va aussi l'appeler Ézéka. Wow! Est-ce que les personnes bénies par les misères niveau de Ézéka sont dans la salle? Et également, lorsque on nous invite à faire une ordination, nous devons regarder est-ce que les serviteurs de Dieu informés. Parce que nous ne légalisons pas ce qui est illégitime. Amen. Donc moi je vais me tourner chez vous tout de même le dos. Pour regarder mes frères et mes soeurs dans la ville. J'ai failli parler en patois. Pour dire que est-ce que vous devez pour être ordonné? Vous êtes levé pour marcher sur les traces de Jésus. Sur le il est écrit. L'ordination, ce n'est pas une fête, c'est la mort. Les religieux se sont trompés sur l'affaire. Lorsqu'on fait votre ordination, vous mourrez à cette vie. Et vous vivez uniquement pour l'éternel. Amen. Vous savez que cette femme, lorsqu'elle a pris le parfum, elle est venue parfumer le Seigneur. Le Seigneur a honoré cette femme. Il dit pas tous les foyers sera prêché. On va parler de cette femme. Vous savez quoi? C'est le jour de la mort que Judas a décidé d'enlever Jésus. Donc, pendant qu'on fait votre ordination là, si à l'esprit de Judas est allé dans la salle, c'est ce jour que l'esprit de Jésus est venu ici. Yes! On ne chasse pas Judas là. Vous ne les chassez pas. Vous ne les excommuniez pas. Jésus n'a jamais excommuné Judas. Parce qu'il est également là pour une mission. Ne perdez pas votre temps à chercher qui est Judas dans mon ministère. Formez les disciples, frère. Amen. Formez les disciples, ma soeur. Des gens forts. Des gens sages. Des porteurs de fruits. Quelqu'un qui peut te dire, papa, je veux celui là de Dogoti. Je veux celui là Niala. Je veux celui là à Nokoba. Donc, chaque famille. Tu prêches, il va suivre une âme avec ses jeunes, tu lui as dit. Pas les gens qui viennent chaque jour. Papa, j'ai le feu. Papa, j'ai vraiment très feu. Papa, si tu fais des cheveux, si la feu, tu pries que Dieu te donne le don de l'éducation de l'homme, non?
Un homme de Dieu n'a pas deux femmes. Une seule femme. Donc, le mystère ne peut porter le fruit que quand la vie familiale est où? Oh là. Ah ouais. Si tu verras la vie difficile à la maison, il ne peut pas porter le fruit là-dedans. Il va prêcher la frustration. Il va prêcher la amertume. Il va faire des efforts pour que l'onction provoque encore les miracles et tout, tout. Mais le jour où tu le mets à l'aise, ma tourne, il sort en souriant. Dès qu'il dit quelqu'un dans le taxi, la personne guérit. Nous tous, on a le regard sur lui. C'est notre banquier. Fais-lui des bonnes surprises. Le jour où il dit, je m'avais prêché au marché de 14. Tu dis vraiment, je suis parce qu'il est pas là. Il part. Dès qu'il part, tu pars en cachette. Tu vas te mettre dans un coin. Tu observes comment il presse. Voyez-le que tu le vois plus une nouvelle fois, pour admirer une, tu commences à prier pour lui, Seigneur, bénis mon mari. Et pendant que tu fais ça, Dieu commence à te parler. Ma fille va lui préparer le meilleur repas. Quand tu commences déjà à profiter sur lui, l'argent vient seul. Amen. Parfois, il y a une maman à côté qui est en train de voir ce que tu es en train de faire. Elle dit, ma fille. Pourquoi tu as mis l'homme là jusqu'à tu parles quand tu dis c'est mon mari? C'est mon mari, c'est notre pasteur. Non, il dit quoi? Amen! Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et quand tu es venu en cachette là, tu rentres aussi en cachette. Tu fais le meilleur repas comme c'était le premier jour. Quand il arrive à la maison, c'est le Dieu qui l'a fait en route. Parce qu'il dit là qu'en murmurant même. Mais dès qu'il arrive, il trouve que Jésus était dans la maison. Amen. Donc nous ne vous imposons pas les mains pour vous communiquer la malédiction, frère. Nous vous imposons les mains pour qu'un nouveau départ véritable dans le ministère. Votre ministère ne se limite pas seulement à ces éléments que vous avez cités. Dieu dit élargis ta tente. Nous nous voyons au travers de vous, des disciples qui peuvent aller en Europe, des disciples qui vont aller en Amérique, des disciples qui vont sortir pour aller envahir la planète. C'est ça que nous voyons. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et Jésus va jusqu'à dire, c'est Dieu conclu. Si quelqu'un croit en lui, il fera les œuvres qu'il fait. Il n'a pas de plus grand. Ne découragez jamais vos disciples. Encouragez la famille, exposez-les, payez le micro, donnez-les au guide, il s'exerce. Amen. Ne confisquez pas le micro. Aujourd'hui, les humanités sont en train d'envahir la planète. Il faut que l'église accomplisse vite que les humanités. Parce que Dieu a dit dans chaque famille qu'il y aura la promesse d'Abraham dans sa famille. Donc ne bloquons plus les familles. Moi, je rêve même que dans chaque famille, il y a un pasteur. Dans chaque famille, que tous les... Soit c'est le papa ou c'est la maman, que une fois, elle reçoit des pastorales pour sauver la famille. Je voudrais vous poser une question pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à ce qu'on fasse l'ordination de... Moi, particulièrement, je suis tellement émue. Je suis émue. Je suis émue parce que dans ma famille, il n'y avait même pas un chrétien. Mais le Seigneur m'a permis qu'ils sont en train de naître jour en jour. Le Seigneur a permis que toute ma famille ait déjà des
pédale. Et il a permis encore que les disciples, comme des apôtres, comme des pasteurs, sont en train de naître, comme à ce jour. Mon frère Kilama, pendant que moi je servais Dieu, ce n'était pas facile. Mais je bénis Dieu qui l'a attrapé en 2007. Je le rends grâce parce que quand moi je le parlais de l'Éternel, il ne comprenait pas. Quand moi je descendais de la maison, il se moquait de moi. Mais un jour, je leur ai dit, mon Dieu que je sais va vous toucher. Et quand le Seigneur va vous toucher, vous n'allez même plus me. Vous n'allez plus penser que vous avez une seule qui a commencé à croire avec vous. Mais voilà ce que le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Je vous remercie parce que depuis qu'il a commencé à servir l'Éternel, je vous assure, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment je peux dire, mais je ne sais pas si ma grande soeur aussi a quelque chose à dire par rapport à ça. Amen. Amen. Je suis la soeur aînée de Kilama Sandé. Mais. Nos parents nous ont laissé 6 enfants. S'il y a une personne qui ne vit pas à Rababa, peut-être c'est moi. Tout le reste, ce sont des pasteurs. J'ai béni le nom de l'Éternel parce que sa promesse s'accomplit dans la maison de mon père et de ma mère. Il a dit, je vous sors de l'Égypte, regarde-moi. Et nous sommes sortis vraiment de l'Égypte, les 6 enfants de mon père. Même si nous tombons, même s'il y a des tribulations dans la route, ce sont les plans du diable. Donc je dis ceci, courage à mon frère, la parole de Dieu nous accompagne. Je suis ravi ce soir parce que le soir a terminé, même dans l'école publique, nous sommes prévus dans cette famille qui lance mon contact direct. Ce que je veux dire, petit frère, il va chercher nous, prenez courage. Vous savez, les combats que je ne vois pas jour et nuit, je suis témoin de vous voyez. Le chemin du Seigneur n'est pas facile, c'est dur. Ça commence par l'humiliation, commence par la famille. Mais il faut supporter. Parce que le premier chrétien, le premier chrétien, c'est notre famille. Donc, prenez courage. Regardez à Jésus. Ne regardez pas les hommes. Parce que si vous regardez les hommes, vous allez échouer là-dessus. Soit avec Jésus, on est ici. Et la victoire est là. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
Je prie Seigneur,
Thank you.
révérence et le révérend Charles. Comme le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia.